Andreu parti, Berlusconi est lui déjà dans les cartons. On va en parler avec vous, Renaud Dely. Le départ programmé de Berlusconi n'y fait rien. Les marchés ont été plombés aujourd'hui par l'Italie. Wall Street a ouvert en nette baisse, à l'image des marchés européens qui ont clôturé également en forte baisse. La bourse de Milan perd 3,5%. Les prix du pétrole sont en chute libre. L'euro dégringole. Pourtant, il a annoncé hier qu'il allait démissionner. Mais vous, ce que vous vouliez dire, vous vouliez revenir sur l'influence et le pouvoir croissant des marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés sont responsables de ce qui se passe à Athènes et à Rome? Alors, on voit bien, comme vous le disiez à l'instant, que le départ programmé de Berlusconi, attendons de voir qu'il quitte vraiment le pouvoir, parce que le fait qu'il l'ait annoncé, ça n'est pas encore effectif, ne suffit pas à résoudre la situation économique dramatique dans laquelle est aujourd'hui l'Italie, bien sûr. Silvio Berlusconi, comme Georges Papandreou d'ailleurs, sont d'abord victimes de la situation économique et de l'endettement terrible de leur pays. Berlusconi, on ne va pas pleurer sur le départ du pouvoir de Silvio Berlusconi, qui aura dû tomber depuis bien longtemps. Ce gouvernement, ex-président du Conseil italien, a décrédibilisé la politique de longue date, de scandales sexuels en division de sa majorité. Il ne tenait plus que par un fil, ce qui n'était pas le cas exactement de Georges Papandreou, qui lui, évidemment, a été frappé de plein fouet uniquement par la crise. Il n'empêche que si ce ne sont pas les marchés qui sont les seuls responsables de leur départ, on voit bien que ça a été le déclic. Le déclic de leur départ, ceux en quelque sorte qui ont appuyé sur le bouton du siège éjectable, ce sont effectivement les marchés, ce sont les bourses. Ce que les politiques, ce que les peuples, ce que les manifestations n'avaient pas réussi à faire de longue date, en tout cas dans le cas de Berlusconi, eh bien finalement ce sont les bourses qui ont eu cet effet déclencheur. On l'a vu de façon spectaculaire aussi dans le cas de Papandreou, puisque c'est au moment où il a annoncé qu'il envisageait un référendum, qu'il a même annoncé très officiellement, qu'il s'est en quelque sorte suicidé sur l'autel des marchés. On comprend mieux donc pourquoi est-ce que, si on revient en France, Nicolas Sarkozy aujourd'hui fait de la sauvegarde du triple A et donc du regard que les agences de notation vont porter sur la situation économique de la France dans les mois qui viennent un élément déterminant de la campagne présidentielle. Et on voit bien à quel point cet élément-là sera déterminant pour les deux candidats principaux, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Juste un mot pour finir, on se souvient qu'il y a très longtemps, jadis, vous n'étiez pas né, le général de Gaulle... On l'a fait toutes les semaines, celle-là. Le général de Gaulle disait... Le général de Gaulle disait que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille. On se rend compte qu'aujourd'hui, parfois, la corbeille contribue, en tout cas, à faire et défaire les gouvernements. Renaud Dely, merci, c'était l'édito du jour. La crise, qui va payer la rigueur? Que ferait la gauche? Faut-il vraiment sauver l'euro? Voici la une de votre hebdomadaire. On la voit bien, Renaud Dely, la voici en kiosque. Donc, dès demain au total, Silvio Berlusconi aura régné en quelque sorte sur l'Italie pendant 10 ans. C'est donc une page qui se tourne, celle des petites phrases, des affaires et des fameuses soirées bunga bunga. Sandra Buisson. Un homme facétieux qui joue les entremetteurs entre la Russie et les États-Unis pendant la photo officielle. Capable aussi de mimer des cornes à un ministre face aux caméras. Lui, c'est Silvio Berlusconi, ancien vendeur d'aspirateurs, chanteur, devenu homme d'affaires, milliardaire et même président du Conseil italien. Un chef de gouvernement atypique qui a sa vision à lui, bien à lui, des relations diplomatiques. Je vous apporte les salutations d'un homme qui s'appelle, attendez, c'est un monsieur bronzé. Barack Obama. Avril de la même année, séisme à L'Aquila, des centaines de blessés, des morts et des habitants à la rue qui font les frais de ces commentaires. Bien sûr, leur abri actuel est tout à fait provisoire, mais justement, il faut prendre ça comme un week-end en camping. Mais le cavalier n'a que faire de ce qu'on pense de lui ou même de sa vie privée. Les femmes, il ne s'en cache pas, il les apprécie. Il serait même au cœur de soirées très spéciales. Félicitations, vous êtes si doué que ça me donne envie de vous inviter au Bunga Bunga. Et moi? Oui, oui, toi aussi, tu es plutôt mignon. La remarque est ironique, clin d'œil à l'un des trois procès intentés contre lui, celui pour prostitution de mineurs. Lui qui, en juillet dernier, disait à un proche « Dans quelques mois, je m'en vais de ce pays qui me donne envie de vomir ». Il est 18h45, excellent début de soirée. Vous êtes sur iTélé en direct, naturellement, à retenir ce soir dans